C'est une jeune fille qui me pose la question. Tu préfères Joanne avant YouTube ou maintenant? Tu préfères Los Angeles ou Lyon? Mais enfin bon les gars, au bout d'un moment. Non mais je sais pas, c'est que ce que tu me disais. Tu préfères l'eau ou le coca? Bah le coca. Ils sont là, ou leur castagne sur le palier. Aïe aïe aïe. Tu sais pas ce que c'est? Mais non, je connais pas. J'arrive plus à m'arrêter de manger, Lisa. On a moyen de guider les mains. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Tu sauver toi ou sauver ta famille? Moi. Elle est tellement égoïste. On va débouger. Je vous jure que si elle me voyait en train de mourir de soif dans le désert, elle serait capable de prendre une douche à côté de moi. Bah, par contre, ouais, t'es un peu large là. Ah, t'as un peu de place, hein. On dirait qu'on a l'école ensemble. Tu vois? De fou. Des mauvais élèves en vrai. Vraiment, insupportable. Yo les gars, c'est Joanne Pabst. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de la seule, de l'unique Isa, ta sœur, ta grosse sœur. Mais désolé, je voulais ramener une célébrité sur ma chaîne, malheureusement. Aucune n'a daigné répondre à mes nombreux appels. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire quoi? La chose qu'on sait le mieux faire, c'est quoi franchement? Bah, bouffer. Exactement, bouffer et se plaindre. Mmh. Donc c'est ce qu'on va faire tout simplement. On a commandé deux Mac. On n'a pas trop commandé parce que. En fait, théoriquement, on est au régime. Régime. Donc, mais bon, on a pris de l'eau, donc c'est déjà pas maintenant. Moi, c'est l'eau classique. Et surtout, on n'avait pas juste mangé, on s'est dit qu'on allait aussi vous faire des dilemmes. Enfin, tu préfères. Tu t'es pour une marocaine, genre. Mais elle joue à quoi? Donc, on vous avait demandé sur nos Instagram de nous envoyer des dilemmes et des tu préfères. Bah, c'est tout. Ouais, donc, on va aller répondre et puis on va bouffer. Tu sais que j'ai jamais goûté les mozzastix. J'ai trop envie de goûter les mozzastix. On a un milliard de sauce. C'est trop bon gras. Bon, on commence? Vas-y, je suis chaud. Première question. Ne plus jamais manger de takis ou tuer ta sœur. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les takis, c'est mes chips préférés sur Terre. C'est des chips qui se trouvent que aux États-Unis ou en Espagne. Et à chaque fois que je reviens, genre à la douane, ils sont choqués parce que j'ai genre 15 paquets dans mon sac. Mais ils abusent de fou, enfin. Tout le monde sait que tu préfères les takis quoi. Ouais, justement, enfin. Bah désolé Lisa. Tes chips ils sont tellement piquants. C'est divin. Genre à chaque bouchée, je me sens renaître de mes cendres, tu vois ou pas? Ça pique sa mère. Tellement gros lard que tu préfères toute la bouffe sauf moi. Non. À moi. Tu préfères aller au paradis sachant que ta mère va en enfer ou aller en enfer et ta mère au paradis? Tu penses à ta gueule ou pas? Bah sachant que dans tous les cas je vais déjà en enfer. Donc laisse ta mère aller au paradis quoi. Ouais, sauver le quartier de ma famille quoi. En fait je pense qu'on va tous en enfer dans cette famille donc franchement. Pour répondre à ta question je vais manger un tender. Il faut pour les sols mais tu sais j'ai jamais goûté tout ça. Les tenders de McDo? J'ai jamais goûté ni les mozzatou parce que je prends tout le temps la même chose moi au McDo. Dites moi d'ailleurs si vous prenez tout le temps la même chose, moi je prends tout le temps la même chose. Prends quoi? Un McFirst. Non, McFirst ça me nourrit pas assez, genre un McFirst c'est bien genre pour le goûter. Savoir la date de ta mort ou comment tu vas mourir. Bon, je préfère savoir comment je vais mourir plutôt que quand. Parce qu'en soi quand tu sais la date après genre t'es un peu dans la merde tu vois. Je commence à devenir parano et tout. Ouais, tu veux grave profiter et tout. Après en soi moi j'ai pas peur de la mort, enfin je m'en tape. Non, la sauce chinoise, oh là là. Aya Nakamura ou Bilal Hassani? Alors excusez-moi, mais je ne pense pas que Aya Nakamura ait créé une phrase iconique en l'espace de 7 mois. Ouais. J'adore Aya Nakamura, mais Bilal ma vie, enfin, déclassé genre vraiment. Je sais pourtant que j'aime bien Aya Nakamura. Putain, la sauce barbecue c'est vraiment un truc. T'aimes bien ou pas? La sauce barbecue, viens nous voir. Genre celle du McDo elle a un goût meilleur que celle des autres. Mais les gens ils sont dingues genre. Tu préfères coucher avec ta tante ou ton chat? Pour ça consulter quoi. Ah putain, tu préfères ne plus pouvoir t'asseoir ou ne plus pouvoir plier les bras? Bah t'as besoin de plier les bras, tu vas pas te balader toute la journée comme ça. Ouais donc c'est pour ça. M'asseoir je m'en tape, genre bah je m'allongerai tant pis. Mourir noyé ou brûlé? Noyé. Le feu, j'ai trop peur du feu. Ouais pareil. Préfère moi ou moi? Ah ferme. Ok. Mourir jeune et heureux ou mourir vieux avec plein de regrets? Mais moi vous savez très bien hein, je suis ici pour passer un bon moment, pas un long moment. D'où le fait que je mange tout ça. J'en ai rien à foutre, genre vivre vieux ça m'intéresse pas du tout. Vivre à 80 ans hein, pour vivre avec plein de rhumatismes et une famille qui te déteste et tout. Tes petits enfants qui veulent te dépouiller. Quoi? Je dis ça, j'ai encore des places. C'est une jeune fille qui me pose la question. Tu préfères Joanne avant YouTube ou maintenant? Les deux. Je sais pas comment expliquer mais t'as changé nos vies quand même. Faut arrêter de dire que ça change personne, ça change tout le monde. Ouais c'est vrai. C'est
Ce que je veux dire, c'est que t'as des personnes qui te suivent, tu te fais reconnaître dans la rue, tu gagnes quand même bien ta vie, t'as des opportunités de malade. T'as de l'anxiété, voilà. T'es beaucoup plus insulté, t'es beaucoup plus jugé aussi, t'es beaucoup plus stressé. En fait, t'as peur du moindre faux pas, parce qu'après ça dépend des gens, mais. Ça dépend de l'image que t'as après en ligne, parce qu'il y a des youtubeurs qui se sont donné une image très très lisse. Moi, enfin, j'ai jamais prétendu ne pas aller en boîte, ne pas boire, ne pas fumer. Mais y'en a, c'est vrai, qui se sont tellement donné une image lisse. Mais en vrai, ouais, franchement, on peut pas dire que YouTube ça change pas les gens ou quoi, parce que ça te change forcément. Ça change. Toi par exemple, tu fais grave gaffe maintenant quand tu sors en ville. En ville, les parisiens vont être hyper vénères. En province, à Lyon, quand tu vas dans le centre-ville, tu dis on va en ville. Je sais que pour vous c'est des trucs de beauf, mais... Ah ouais? Ouais, quand je dis on va en ville, c'est genre... La province. Mais genre maintenant tu fais grave attention quand tu sors. Avant tu sortais à la ZEUB, t'en avais rien à foutre. Ouais, moi ça change en fait. Je pense pas que ça change vraiment mal, mais ça change notre mode de vie. Ça change notre mode de vie. Genre. Ouais, c'est ça en fait. T'as une vie qui est complètement différente après, on peut pas mentir. Y'a un double cheese, on tape dedans. C'est n'importe quoi, mais t'es au régime et là. Tuer un membre de votre famille ou 200 personnes inconnues. Ça on l'avait fait en philosophie, c'est si t'es universaliste ou individualiste, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais après ça dépend aussi des membres de ta famille, mais dans ce cas je préfère tuer un membre de ma famille. Hein. Non mais c'est pas une personne que j'apprécie de toute façon dans toutes les familles. Mais il y a des trucs qui ont pas de sens. Ils m'ont dit tu préfères être séparé de ta sœur à jamais ou finir seul pour toujours. Mais si on est séparé en fait déjà on est... Je suis seul en fait. Ouais. C'est la seule personne qui m'est vraiment indispensable. Tout le reste franchement c'est que du... de l'extra genre. Tu préfères être un youtubeur influent mais détesté ou adoré mais que les marques ne te calculent pas. Bah je suis désolé mais enfin excuse-moi les marques ne me calculent presque pas déjà. Ouais, c'est vrai. Comparé à beaucoup de youtubeurs qui font énormément de partenariats. Moi vu que je bois et tout dans mes vidéos, enfin que je suis quand même assez on va dire sans filtre. En fait moi je préfère juste faire du contenu qui fait plaisir à mes abonnés, c'est-à-dire on rigole quoi, enfin je m'en tape tu vois, le reste. Tu préfères Los Angeles ou Lyon? Mais enfin bon les gars au bout d'un moment. J'ai envie de vivre à la campagne quoi. Non mais je sais pas, c'est que si tu me disais... Tu préfères l'eau ou le coca? Bah le coca. Je m'en fiche. Ça nous pose des questions de... des histoires là. Booba ou Caris? Moi je suis moi, Booba hein, Booba moi aussi, Booba, j'adore. En fait moi je sais pas trop les histoires, mais j'adore Booba et Caris, j'écoute 2-3 sons et tout parce que forcément tout le monde écoute mais... Mais je crois que c'est en fait c'est Booba qui a fait percer Caris, c'est ça? Je sais même pas, je pourrais même pas le dire parce que la vérité ça m'intéresse pas. Moi je vais mettre ta cause sérieuse tu vois. Ouais. Genre ça c'est plus intéressant ouais. Non mais ça Booba moi je le kiffe parce que je kiffe ses musiques. Après je trouve ça triste que deux mecs de 40 ans soient obligés de se taper sur la gueule quoi. Genre les gars donnent un bon exemple. Là, ouais, mais surtout vous êtes vieux, c'est des tontons. Et puis ils ont des gamins quoi. Ouais. Frère à un moment donne l'exemple quoi, je sais pas. Mais c'est même pas ça mais... Ils sont là, à vouloir se castagne sur le palier. Aïe aïe aïe. Tu sais pas ce que c'est? Mais non je connais pas. Le manque de culture. C'est moi qui ai gagné à la castagne, elle a perdu cette carnette. T'as jamais vu cette vidéo? Mais de quoi tu me parles? On se castagne sur le palier, au calme. Mais c'est une baronie. Elle a perdu cette carnette. T'as jamais vu cette vidéo? Je démissionne de mon rôle de frère. Non mais les gens, courir ou marcher, mais les gars, je vais marcher ou prendre la vague au bout d'un moment les gars, je vais marcher. Quoi, je vais courir d'un point A à un point B, alors que je peux marcher, genre je vais me fatiguer deux fois plus. Fois en plus. J'arrive plus à m'arrêter de manger, Lisa. On a moyen de guider des mains. Ouais, c'est vrai. Stop. C'est quoi la question? Ils abusent grave. Ne pas avoir de sourcils ou pas avoir de dents? Bah, je préfère ne pas avoir de sourcils. Ouais, je les dessine. Je les fais tatouer. Ouais, bah, évidemment. Non, mais attends, pas de dents, t'imagines? Maison Gerland ou hasard? Hasard. La maison Gerland, j'ai vomi devant. Une fois. Elle fait quoi encore? La fête. Ah, ouais. Tout sauver toi ou sauver ta famille? Moi. Elle est tellement égoïste. On va je vous jure que si elle me voyait en train de mourir de soif dans le désert, elle serait capable de prendre une douche à côté de moi. J'ai bu, enfin, je peux plus rien avaler. Enfin, juste un petit bout de mozza encore. C'était marqué Angel ou Ayana Kamura? Bah, Ayana Kamura. Ah, on est bien d'accord. Non, mais Angel, wesh. Moi aussi, j'aime bien, mais bon. Non, j'aime bien. Mais en cuillère à café, quoi. Mais elle t'ambiance pas. Ouais, c'est vrai. Bah, après, c'est pas le même registre, quoi. Ouais, elle a l'air du talent, mais je sais pas, elle est surcotée, je trouve. Ah ouais? Ouais. J'ai changé les chiffres. Tu es énorme. On a énormément mangé, c'est ça. Étant donné qu'on est au bord de la mort, on va arrêter le mukbang ici parce qu'on en peut plus. Ah bah là, je suis enceinte de 6 mois là. Moi, ça, j'ai déjà perdu les os à cette heure. On espère que ça vous a plu. Je suis pas hier, là, par contre, faut que je dorme. Comme d'hab, les gars, n'oubliez pas de vous abonner. D'activer la cloche de notification. De laisser un pouce en l'air et un commentaire. Vous aussi nous suivre sur les réseaux sociaux qui vont apparaître en bas de l'écran. Je culpabilise là.
vous embrasse et on vous dit je suis pas bien. Mourir prochaine idée. J'allais me peser parce que je me sens pas bien. Tu vas pas te peser après un McDo. Si, si. Écoute, mange une dernière bouchée de Royal Cheese. J'ai pas envie de dire, je suis énorme, ça fait. Oh putain. Quoi? J'ai pris 1,4 kg.